Donc là, je démonte les quatre vis du bas de l'amortisseur. Je démonte la vis qui est en dessous là, ici en dessous là, de la barre stab. Et puis après, je démonterai la vis qui est carrément en dessous du triangle. Et il va falloir que je commence à démonter le triangle. Pour le moment, il faut sortir l'amortisseur. Maintenant, on va s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur de la cabine. Et ben allez, on y va. Donc là, pour accélérer la tête de l'amortisseur, il faut en démonter tout le bas là, tout le bas du tableau de bord. Voilà, tout l'ensemble. Donc il y a une vis qui se trouve là, là, ici, que bah, je vais pas vous montrer, mais il faut aller par là. Voilà. C'est un peu compliqué. Et puis il faut démonter deux vis. Donc j'aurais déjà démonté une. Alors une qui est là. Voilà, elle se trouve là. L'autre, on va l'enlever ici. Il y a des vis, il me semble. Là en dessous, voilà, et tout le bloc en plastique ici, tout ça là, ça s'enlève et on va pouvoir accéder par là, là, à la tête d'amortisseur. Et bien écoutez, on continue de démonter et je vous montre ça un peu plus tard. Donc voilà, c'est démonté. Bon, j'ai foutu la pièce là, hein. Voilà, donc on tombe sur toute une série de relais et le câblage du véhicule. Voilà, et donc maintenant il faut accéder ici là pour avoir la boulonnerie, pas la boulonnerie, mais la boulonnerie, la tête d'amortisseur. Donc maintenant ce qu'il faut, c'est enlever ce cache, cet isolant. Voilà. Donc voilà, un bout d'isolant. Et voilà, on arrive aux vis. Cet amortisseur, il y en a trois, il y en a une là. Les autres sont un peu plus au fond, là. Je sais pas si on va bien voir. Non, on les voit pas bien. Donc voilà, on va faire défaire les trois boulons là et logiquement l'amortisseur devrait sortir. Allez, et bien on s'y attelle et puis on se retrouve un peu plus tard. Donc voilà. Bon, à mon avis, vu les traces, il est d'origine. Il a 25 ans, pépère. Donc maintenant, l'idée, c'est de le sortir d'ici. Et vous voyez, il est libre, il bouge. Voilà, là, il pose sur le triangle. Donc, bah, écoutez, à une seule main, ça va être compliqué. Donc, je vais couper la vidéo, je vais le sortir. Et puis, on se retrouve tout de suite derrière. Bon, voilà. Donc, dans l'idée, ben, voilà l'ancien. Et voilà les pièces du nouveau. On va vérifier que ce soit les bons modèles, les bonnes cotes. Je pense que je vais dans un garage faire monter les ressorts. J'avais fait une pièce pour le faire, mais je ne l'ai pas fini. Bon, il y a plein d'idées sur internet hein, pour remplacer les ressorts, mais enfin, vu la grosseur de ceux-là, j'ai peur de prendre les pentes dans la tronche. Puis j'ai pas fini l'outillage. Hein. Il faut, voilà. Donc je vais voir, je vais essayer d'appeler un garage, voir s'ils peuvent me faire ça. Et ben allez, on continue. Bon, ça avance pas bien parce que j'ai un souci avec cette rotule là. J'arrive pas à l'enlever, je peux taper ici, la tenir en pression. Donc ce que je vais faire, je vais la démonter de là. Puis, une fois que j'aurai sorti tout le triangle, ben, je pourrai sortir cette rotule établie en plus. Je crois que je l'ai percé ici là, donc je la remplacerai. Bon, voilà, une belle connerie de plus. Voilà, et bah écoutez, on continue. Et puis quand ça sera sorti, bah, je vous montre ça. Donc là c'est simple, hein. Il faut démonter ce boulon ici. Et puis là-bas, j'ai commencé, il faut défaire le palier. Voilà, et puis tout le triangle devrait sortir. On va pouvoir le remplacer assez facilement. Bon bah voilà, c'est sorti. Le neuf est là. Voilà l'ancien. Donc là il y a encore la rotule dessus que je vais enlever. Peut-être remplacer du coup au point où j'en suis entre les amortisseurs, les têtes d'amortisseurs, les ressorts, les triangles. On va peut-être faire les rotules avec. On va commander ça et puis on va les remplacer. Bon bah voilà. Et ben je continue.
Bon alors, petit souci. Donc ça, c'est l'ancien triangle. Ici, on a donc le pivot de suspension qui est en 18. D'accord. Filetage ici. Et moi, j'ai fait une commande un peu trop rapidement. Je vais vous montrer. Alors voilà les neufs. Donc celui-ci qui va en remplacement de celui que j'ai démonté. Voilà, on voit bien ici, on a un cône pour un filetage en 18. Par contre, celui d'à côté, le côté gauche, là, j'ai pas fait attention, j'ai commandé avec un cône en 16. Donc c'est pas bon. Donc il va falloir que je renvoie ce triangle et que je recommande un avec le cône en 18. Bon, ça n'empêche pas d'avancer sur celui-ci. Voilà, faites-vous pas avoir, faites pas comme moi. Voilà. C'est la merde. Bon, alors voilà, je profite d'avoir démonté les roues pour laver un peu les jantes et ainsi de suite, nettoyer, enlever le plus gros de la saleté. J'ai lavé les petits caches là. Alors de ce côté, bien sûr, hein, voilà, ça brille, c'est propre. Par contre, ce côté, ça a pris le soleil. Donc, je sais pas si vous connaissez. En fait, moi, je me sers d'un rénovateur. Voilà, c'est pas pour faire de la pub, je m'en fous, mais ça fonctionne bien. Ça s'appelle Polytrol. C'est un produit qu'on applique au pinceau et ensuite on laisse agir un moment. On vient finir d'essuyer avec un chiffon doux. Voilà, et ça rend un aspect. Je vous ferai voir. Voilà, ça ramène le plastique nickel. C'est super bien pour tout ce qui est plastique noir, qui sont devenus un peu ternes, un peu mat. Ça ramène vraiment le plastique vraiment 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 propre. Bon bah voilà, l'application est faite. Donc ils disent de laisser sécher 10 à 20 minutes. On va laisser bien 20 minutes. Et puis on l'essuiera avec un chiffon. Alors j'ai fait une photo avant et on fera une photo après, voilà, pour voir un petit peu la différence du produit. Alors voilà, c'est pas mal. Je pense que, bon, je connais le produit, hein, je sais ce que ça va donner. Mais c'était vraiment pour vous faire voir que c'était un produit vraiment, vraiment très pratique pour énormément de supports, que ce soit de la pierre, que ce soit plein d'autres choses. On peut rénover beaucoup de choses avec ce produit. Impeccable. Bon ben voilà, ce côté-là est terminé. Et donc, j'ai attaqué l'autre côté. Donc voilà, là j'ai déjà démonté l'amortisseur. Et ben on va faire la même chose, hein. On va démonter ici le pivot et l'ancien triangle. Donc voilà, j'ai reçu l'ancien triangle ici et un pivot neuf. Donc on va remonter tout ça et ce coup là je suis à la bonne dimension, je suis en 18. Voilà, bah écoutez, ça va être la même chose que le côté précédent. Bon voilà, l'amortisseur est remonté, le triangle lui est déposé. Par contre, j'ai tiré un peu trop sur le cardan côté boîte de vitesse, donc je l'ai déboîté, donc il y a un peu d'huile de boîte qui est sortie. Ça sera à remettre, on fera le niveau, peut-être même une vidange. Voilà. Voilà, j'ai posé la rotule. Maintenant, il ne reste plus qu'à reposer le triangle. Voilà, donc la bébête qui est ici. Ben, allez, on y va, et puis... écoutez, ben voilà, ça sera, l'opération sera terminée, les deux côtés seront faits. Allez, à tout à l'heure. Bon ben voilà, opération terminée. J'en ai profité aussi pour nettoyer les jantes, ça fait bien plus propre. Ben écoutez, voilà. Une belle opération. J'espère que la tenue de route sera améliorée. Ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà l'autre côté. Ben écoutez, c'est fini pour cette intervention. Allez, salut.